Bonjour, moi c'est Joël, 42 ans, boucher depuis l'âge de 16 ans. Après avoir fait différents parcours professionnels, il y a 10 ans, je me suis installé avec mon associé qui va se présenter. Donc moi c'est Johan, 37 ans, issu du milieu commercial, directeur de PME. Je me suis associé en 2010 avec Joël pour monter notre propre boucherie après avoir été formé par lui. Voilà, nous sommes. C'est une boucherie où nous travaillons la viande, différentes races de viande, où nous travaillons de la charcuterie, du fromage, nous faisons du traiteur et en gros partie issu des produits aveyronnais. Donc dans notre boucherie aux produits de l'Aveyron, nous travaillons tout type de viande, des bovidés de race charolaise aubrac, tout ce qui est ovidé labellisé, tout ce qui est le cochon labellisé, la volaille labellisée, tout issu de produits label rouge et fermiers élevés en plein air. Durant nos premières années, pendant l'ouverture de la boucherie, nous avons un peu bougé partout en Aveyron pour trouver les meilleurs éleveurs qui respectent les conditions qui nous sont chères pour nous, qui est traitement de l'animal, abattage de l'animal, la nourriture, et ensuite tout ce qui est la conformité des bêtes. Donc pour tout ce qui est bovidé, nous avons un seul éleveur situé à Masnou-Manière. Et les bêtes sont abattues à l'abattoir de Castres, qui est un des meilleurs de France. Pour tout ce qui est cochon, ovidé, volaille, c'est tout un regroupement d'éleveurs. Nous travaillons avec des coopératives qui selon les sélections et les critères du label rouge, sont sélectionnés. Et nous mettons un point d'ordre à ce que surtout les animaux vivent et soient nourris correctement. Et voilà, nos fournisseurs le savent. Et donc, nous sélectionnons ce qu'il y a de meilleur pour nos clients. Sans discuter le tarif aussi, qui est quand même assez important, où nous essayons de que l'éleveur soit le bien rémunéré, que nous y trouvions notre compte et que le client, surtout, s'en sorte aussi à bon prix.